Toi qui es en train de me regarder ici, tu as un peu d'épargne, tu n'as pas terrain, va payer terrain, même si c'est à côté de maison d'un singe. Paye terrain. Terrain n'est jamais loin. Tu es jeune, arrête-moi les perruques. Trois perruques là, ça suffit. Déjà, mais tu as nuque. Si tu es mort tout de suite là, ta fille ne peut pas porter ta perruque. Ta fait c'est 12 boules. Ah, c'est quoi ça? Ou bien vont utiliser perruque là pour refaire. T'as même faut voir. Tu m'arrêtes ça. Arrête ça. Toi, tu fais quoi, sac Dior? Toi, tu arrives au niveau de porter Dior? Faut arrêter. Faut pas faire. Faut arrêter. Au fait, toi, tu t'amuses. Faut arrêter. Tu es là, tu portes les Fred. Les gens portent Rolex. Toi aussi, tu portes Rolex. Hé hey! Celui qui a sa Rolex, là, il sait sur quoi il est assis. Qui a enlevé 40 millions, il a payé montre, là, ça n'a pas touché sa vie. Toi, tu avais 43 millions. Tu as payé 40 millions, c'est qu'il te reste 3 millions. Au fait, tu es dans un Jack Bauer Pink. Pink, à n'importe quel moment, ta vie peut exploser. Il faut arrêter. Écoute, faut pas dire non, moi je vis par la foi, je vis au jour le jour. Tu vis par la bêtise. Tu vis pas par la foi. Arrête ça. Arrête ça. Prends le temps, regarde. Si tu organises ta vie là, toi-même tu dis que tu n'as rien, tu pourras avoir au moins 600 000, 700 000 dans l'épargne. Au moins. Au moins. Le jour c'est bizarre, ton loyer peut sortir dedans. Parce qu'aujourd'hui, il y a les employeurs là, ils ont des humeurs. Tu vois, ils t'ont embauché, puis un coup comme ça, ils s'élèvent. Tu t'avais pris. Ah, mais tu t'avais pris comment? Monsieur, on peut tout expliquer. Il dit, je veux rien savoir. Et si tu sais que je n'ai pas économisé, monsieur, faut pas faire ça. faut pas faire ça. Ton histoire de tu travailles plus là, je n'ai pas aimé. Demain, je monte au tribunal du travail. Tu as l'argent pour faire tribunal du travail là. Avocat qui dit, non, tu as son argent. Faut arrêter. C'est pourquoi tu vois des régions, ils sont clairs. Dès qu'on les revoit, 3 jours après, ils deviennent noirs un coup comme ça. Il est gros, un coup, il dépérit. C'est parce qu'il n'a rien fait l'argent là. Là, il est sur le point de tout recommencer. Avec combien de temps tu travailles? Si je te pose la question, tu as combien dans ton travail? Tu peux me répondre? Tu n'as rien. Rien. Tu es pauvre, comme au jour où tu quittais le lycée. Tout ce qui est dans ta vie, c'est les souvenirs de ton salaire. Tu as pris pour aller à Sini, tu as pris pour payer poulet. Tu n'entends même, tu es un pauvre, bien habillé. Tu n'as rien. Arrête d'être parrain, marraine. Arrête ça. Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Faut pas faire. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Non, il n'y a pas l'homme pour toi. Il y a l'homme pour toi. Hein. Ils sont en train de te mentir. Fais ce qui est nécessaire. D'ailleurs, il y en a ici qui ont déménagé sous instruction du conducteur. Parce que si tu n'as pas déménagé, je vais rendre compte. Dis papa à quel moment je déménage. Tu déménages au moment, dès l'instant où tu fais partie de ce que j'explique. Tu touches 600 000, ton loyer fait 350 000, déménage. Tu es un pauvre programmé. Tu es un misérable en téléchargement. Parce que je ne sais pas comment toi tu fais pour payer le loyer 350 000 dans 600 000. Tu vis comment? Tu m'arrêtes ça. Tu as 650 000, tu as trop payé le loyer, c'est 200 000. Et que c'est que tu es dans le luxe quoi. Tu te bloques à 200 000. Et puis tu prends 200 000 pour gérer ta vie. 200 000 là, tu épargnes. Jusqu'à la fin de l'année là, vous allez venir m'expliquer. Yep. Tous ceux qui ont 4 des membres, vous êtes rentrés dans mon bureau, tu as épargné combien? Tu n'as pas épargné, je reprends ma carte. Sors, va dans une église où on veut être pauvre. Moi je veux pas ça ici. Même si tu n'as rien, faut tout le moins de me dire, papa, il y a eu 300 000, j'aurais pu garder dans mon orange que je vends là. J'ai gardé au moins 150 000. Vous m'arrêtez cette misère. Et puis vous venez attaquer le diable. Non, c'est les sorciers. C'est eux qui ont mis le placard là. Tu m'arrêtes ça. C'est de l'inconscience spirituelle. Demain, les gens vont se moquer de toi. Ce que je te dis là, c'est pour te faire du bien. Demain, les gens vont se moquer de toi. Frère, quand tu es assis et puis tu as fini de fêter l'anniversaire de ton enfant, puis tu as au moins 3 millions dans ton compte là. C'est pas beaucoup, hein. Mais il y a une assurance. Tu es au moins sûr de quelque chose. C'est que si on dit peu, tu peux encore réagir. Mais là où tu es là, si ta maman est tombée, puis elle a fait AVC, tu tombes à côté d'elle. Parce que tu as fait comment? Au moment où tu tombes, je tombe. Nous deux, nous soulève. Parce que je ne sais pas comment je vais faire. Il y a beaucoup parmi vous, vous êtes des vies de roi. Mais c'est le cadavre de ton papa qui a te donné la honte. Et on ne voit pas la nuit du poulet jusqu'à ce que le vent souffle. Hein. Sinon, tu aurais un nez de grand gars, de grand go. Papa, je ne prends pas la monnaie, puis un coup, boum, ton papa est mort. Tout le monde te fait asseoir. On fait comment? Non, c'est-à-dire que, non, appeler les frères, on va se concerter. Hey, toi, tu ne prends pas monnaie. Ça, en fait, c'est là que tu seras plat. Mais il n'y a rien de plus correct que quand tu vis de manière très modeste. Tranquille, on pense que tu n'as rien. Et puis ton papa est décédé. Ah non, c'est pas comment l'enterrer. Son fils là-même, lui-même quand on l'appelle, il n'a jamais l'argent. Et puis tu dis, j'enterre mon papa le mois prochain. Donnez le corbillard présidentiel. On dit, quoi? T'as dit, puis qu'on a donnez. Mettez tel écran géant, mettez tel podium. Et puis tu enlèves 15 millions, tu signes. Bah! Bing! Ils sont comme ça. C'est-à-dire que quand tu te lèves comme ça, là, on dit le monsieur, là, il a mis enfant au monde. Mais faut pas commencer ta vie en fanfare. Et puis il y a un vent qui a fait que tu as fini en flûte. Tu vois, maintenant tu commences à gratter ta tête. Gna, 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 tu sais, on sait plus. Tu sais comment? Les gars, évitez la honte. Genèse n'aime pas la honte. Dis amen bien. Même si tu es élève, ton papa te donne la honte de poche. Ton pasteur te dit épargne. On t'a donné 1000 francs, ne mange pas 1000 francs, mange 500. Garde 500. Mange 500. Garde 500. Que ce soit la mentalité de cette église à partir d'aujourd'hui. Tu fais pas ça, c'est que tu n'es pas mon fidèle. Faut pas aller dire aux gens que c'est fidèle, parce que ça vient. Je te connais pas. Les crédits, donne-moi 500 000 après, t'es remboursé. Tu arrêtes ça. Amen. Je suis passé par les crédits, je sais ce que ça fait à la vie d'un personnage. Arrête ça, tu vas stresser ta vie pour rien. Au lieu de vivre dans le crédit, la vie dans tes moyens. La paix de quelqu'un qui n'est pas endetté là.
elle est plus importante que la joie de quelqu'un qui a pris un crédit. Parce que ta joie de crédit, là, elle est de courte durée. Mais quand le crédit va commencer à te presser la vie, tu vas comprendre que tu n'aurais pas dû toucher l'argent. Moi, pour prêcher, j'ai pris 17 millions. J'ai dit, hey, c'est qu'il y a vie dedans. Mais c'était pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu a fait. Mais pour faire, là, je prends ma voiture, je donne au Magua. Elle me donne l'argent à rembourser 50%. Je donne l'argent des microcrédits. Pour faire, là, ma vie a chauffé. Donc, quand il te dit, après, tu as 600 000, ton loyer ne doit pas être 350 000. Même 300 000, même tu as péché. Descends à 200 000. Il faut réorganiser. Elle dit, je ne vois pas où se trouve mon argent, mais parce que, écoute-moi bien, tu n'as pas encore réussi, tu veux vivre au milieu de ceux qui ont réussi. Non, priorité, il faut que je déménage. Voyez, maintenant, tu es sur mes frustrations. Il y a un temps pour toutes choses. Tu viens d'arriver. Alors, il faut arriver. On va te demander les nouvelles. Tu as tout le temps. Ne te stresse pas. Personne ne te poursuit. Tu es en compétition avec toi-même. Les gars. Il y a de la dignité à manger le pain de ton travail. Tu ne fais plus jamais quelque chose qui a grand petit. Genèse, c'est l'église des leaders, pas des losers. Pour avoir de la dignité, vis dans tes moyens. Vis dans tes moyens. Ne suis pas des amis qui ont plus d'argent que toi. D'autres n'ont pas plus d'argent. Leurs parents ont l'argent. Ils sont nés dedans. Tu les suis, tu vas mourir sur la route. Quand tu es l'enfant du singe, là, comprends que dans la forêt, ton papa n'a pas besoin. Il a branché. Il a branché. Faut t'arrêter sur branchage. Gère-toi pour ne pas tomber. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Tu es jeune comme ça, tu es devenu maman de ta maman. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu? Toi seul comme ça, tu es devenu la maman de tes petits frères, tu es devenu papa de tes... Hey, tu n'as pas vu? Regarde la vie. Amuse-toi dans Shawarma. Va en prendre ton temps, va là, il m'a mangé du caviar. J'ai dit, il m'a des sushis. Toi, tu veux des sushis? Tu m'arrêtes ça. Des gens comptent sur toi. Et Dieu est en train de te donner des contacts, des relations, des personnes qui viennent pour t'aider. Ne gaspille pas ça dans des bêtises. Ta famille est pauvre. Ta maman pleure. Tu dois les honorer. Tu dois relever l'image de ta famille. Tu n'as pas le temps pour aller te jouer les bourgeois. Le jour où tu vas jouer aux bourgeois, là, c'est que tu es bourgeois. C'est que c'est. Non, mon papa a jeté l'argent. Nous sommes l'église, on jette, jette. Tu vas te jeter toi-même, tu vas pas savoir que c'est toi-même qui est parti. Donc, la main, là, viens. Donc, les gars, rendez-vous le mercredi. On saura les trois niveaux. Premier niveau, c'est quoi? Travailler pour avoir l'argent. Deuxième niveau, travailler avec l'argent. Troisième niveau, l'argent travaille pour moi. Mercredi de 18h30 à 20h30, Zawi Boer. Donne-moi un amen, bien. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Ce mercredi 21 août 2024, le pasteur Wilfried Zawi te donne rendez-vous pour une spéciale masterclass ouverte sur le thème comprendre ces trois étapes, comment travailler pour avoir l'argent, comment travailler avec l'argent et comment envoyer l'argent à travailler pour nous. Le rendez-vous est pris à l'église Genèse Sainte-Périssos, Angré, Nouveau-Chu. Contact 07 47 03 33 37. Déplace-toi pour toi qui es à Abidjan, pour toi qui es à l'extérieur. Rejoins-nous sur Genèse Online pour intégrer la communauté Genèse et suivre en direct nos cultes sur Zoom. Info line plus 225 05 05 05 77 64. Genèse, plus qu'une église, une famille.